Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Frères et sœurs, notre joie est grande aujourd'hui. Notre joie est celle de toute l'Église qui honore Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Vous vous souvenez, il y a ce passage très touchant dans l'Ancien Testament. C'est le livre du Deutéronome. Au moment où les Hébreux, ayant éprouvé la magnifique délivrance, la traversée de la mer Rouge, s'interrogent sur le Dieu qui les sauve. Et qui est-il exactement? À quoi ressemble-t-il? Comment le reconnaîtrons-nous? Et par la voix de Moïse, il leur répond: comme ton père t'a porté quand tu étais jeune, je t'ai porté dans l'épreuve. Comme ton père. Quand Dieu se présente à nous, il nous dit: je suis celui qui ressemble à ton père. Imaginons l'enfant Jésus ouvrir ses pages de la Torah et entendre par l'Esprit: je suis celui qui ressemble à Joseph. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, accueillons avec gratitude la grandeur de Saint Joseph, découvrons avec joie l'humilité de Dieu qui se fait reconnaître à nous par le visage de cet homme juste. Au début de cette Eucharistie, demandons-lui de nous conduire en vérité devant le Dieu qui fait miséricorde, nous qui sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit : J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Seigneur, ils pourront te chanter encore. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit.
Frères et sœurs, les circonstances extraordinaires des jours que nous vivons, le temps liturgique tout autant, nous invite à accueillir cette péricope sous le signe du renoncement. Le renoncement dont Joseph est pour nous aujourd'hui le modèle et l'exemple. Il y a de la difficulté avec ce mot, tout le temps, sans arrêt. Nous tenons beaucoup trop à nous-mêmes pour oser nous aventurer dans le renoncement véritable. Et puis, il faut bien le dire, nous ne sommes pas assez saints pour comprendre le renoncement de Saint Joseph. Ce passage de l'Évangile illustre d'abord nos difficultés de lecture. On ne voit pas, on ne comprend pas, on cherche à expliquer, on cherche à s'expliquer. On y arrive mal. On y arrive mal parce qu'on est trop compliqué. Parce que dans le fond, les saints sont pour nous des étrangers. Pourtant, les thèmes sont assez facilement repérables. Matthieu les met en valeur. Il y a d'abord l'immense généalogie que nous rejoignons dans son verset final. Jacob engendra Joseph. Jacob engendra Joseph, le dernier engendrement d'une longue série qui fait de Joseph, le fils d'Adam, un homme comme vous et moi. Le fils d'Abraham, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, c'est-à-dire un croyant, un homme de Dieu, père d'une multitude, qui fait de Joseph éminemment le fils, l'héritier de David, c'est-à-dire le prétendant au trône, c'est-à-dire un homme de dignité royale. Et nous l'avons entendu dans la première lecture, l'homme sur qui repose la promesse, le Seigneur s'y est engagé, je te bâtirai une maison au sens d'une famille, d'une descendance. Ainsi, Joseph est d'abord présenté dans sa grande noblesse et dans la richesse de son héritage. Et parce qu'il vient au terme de toutes les généalogies, de tous les engendrements, celui en qui vont s'accomplir les promesses. Car Joseph ne fait rien à moitié, surtout quand il s'agit de renoncer à ses prérogatives et de laisser Dieu agir. Oui, Dieu lui bâtira une maison. Et Joseph laisse Dieu lui donner une famille au point qu'il renonce à engendrer physiquement son propre fils. Il laisse tout à Dieu et ne garde rien pour lui. Joseph est prêt même à abandonner sa dignité royale, c'est-à-dire ses prétentions sur le peuple de Dieu, sur le peuple d'Israël, le peuple élu. Il est prêt à tout laisser tomber, c'est-à-dire sa femme même, son épouse, elle est vraiment son épouse. Le mariage a été célébré, il a autorité sur la Vierge Marie, il a autorité au nom de la volonté de l'Immaculée elle-même qui a choisi Joseph pour époux. Elle veut qu'il soit son mari, elle veut dépendre de son amour et de son autorité. Et si l'Immaculée le veut de volonté divine. Dieu lui-même a voulu ce mariage. Nous voyons ici la distance se creuser entre les saints et nous, entre Saint Joseph et tous nos désirs de devenir quelqu'un, d'être enfin quelque chose aux yeux des autres. Nous aurions facilement la tentation de nous élever et de faire valoir notre bon droit, comme nous l'aimons, notre bon droit. Et nous discutons fièrement avec le bon Dieu,
Nous comprenons bien qu'il a une volonté et nous voulons faire entendre que nous-mêmes, nous avons la nôtre. Et nous pourrions dire, mais enfin quand même, Marie n'est-elle pas à moi? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il faudrait que je la répudie, que j'y renonce ou que je la renvoie, mais elle est à moi. C'est toi qui me l'as donnée, rappelle-toi. Tu peux pas me faire ça. C'est mon bon droit. C'est la femme que j'aime. Joseph ne raisonne pas comme ça. Joseph ne veut rien qui ne lui soit donné par Dieu. Joseph ne s'approprie rien, même pas ce que Dieu lui donne. Alors, discernant le mystère de l'incarnation qui s'accomplit dans la Sainte Vierge, son épouse, considérant son indignité, lui, le fils de David, lui, le roi prétendant au titre, se trouve indigne dans les affaires divines et choisit de n'être en rien un obstacle. Et Dieu agrée ce renoncement. Dieu est content que son fils ait pris ce chemin et il lui envoie un ange pour le réconforter, pour le conforter et pour l'amener plus loin encore dans le renoncement. Il ne s'agit pas de le corriger. Nous voudrions que l'ange corrige Joseph parce que nous voudrions ne jamais renoncer à rien, surtout pas à ce que Dieu nous donne. Mais l'ange lui dit, « Joseph, fils de David, Joseph, ta noblesse a du poids aux yeux de Dieu. Joseph, Dieu ne te reprend rien. Il est bon que tu sois le prétendant au trône, et il est bon qu'enfin, le roi d'Israël abdique devant le vrai roi, devant le Messie, le roi des rois, devant Dieu qui seul peut régner sur son peuple. Et c'est cela qui, plus qu'aucun autre de tes pères, fait ta noblesse. Parce que tu renonces devant la royauté de Dieu. Joseph, fils de David, fais un pas de plus. C'est bien de renoncer, c'est beau de te retirer, mais tu peux renoncer davantage et te mettre au service de ce roi à qui tu laisses tout, à qui tu offres tout. Sois son serviteur, sois son collaborateur. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Dieu ne reprend rien de ce qu'il donne. Mais toi, tu as bien compris que ce que Dieu donne ne peut se recevoir qu'en y renonçant. Alors tu le reçois à nouveau et tu la reçois davantage comme ton épouse et comme ta reine. Prends-la chez toi. Certes, ce qui est engendré en elle, ici, les traducteurs essayent de nous faire comprendre le mystère, ils balbutient comme nous balbutions tous, c'est difficile. On a essayé, et puisque l'enfant, mais où est l'explication? Non, c'est le sens premier qui sans doute est le meilleur, certes. Certes, cet enfant est divin. Mais restons encore au plus près de la lettre. Certes, ce qui est engendré, c'est un neutre avant de désigner quelqu'un. Cela désigne quelque chose. Ce qui est engendré dans la Sainte Vierge, c'est le Messie, bien entendu. Mais c'est l'Église par-dessus tout, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu auras autorité sur lui. Tu seras son père. Tu as renoncé à ton autorité légitime sur le peuple élu. Je te donne l'autorité
sur le Fils choisi, le Fils bien-aimé, le Messie. Tu seras son Père et tu lui donneras son nom, Jésus. Le seul mot que Joseph ait jamais prononcé, Jésus, et tout est dit. Mais voyez comme il est important de garder aussi près de la lettre que nous pouvons la grandeur, l'immensité du dessein divin. Ça n'est pas une histoire de couple seulement. Ça n'est pas l'histoire d'une famille, aussi exceptionnelle soit-elle, seulement. Nous voudrions comprendre ces versets à l'échelle où notre conscience se limite. Mais ça n'est jamais le cas. Nous ne comprenons rien au dessein de Dieu. Nous en percevons une toute petite parcelle. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de nos peurs. Nous essayons de nous sécuriser dans nos quotidiens en espérant que Dieu va nous conforter, mais il voit beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin même que l'échelle de notre vie tout entière. Souvent nous croyons qu'être saint, c'est faire la volonté de Dieu sur terre, et puis entrer au paradis, et puis se reposer au milieu des cantiques et des cœurs angéliques. Joseph est établi chef de la sainte famille. Il a reçu autorité sur Jésus. Et au ciel, cela n'a pas changé. Joseph a reçu l'autorité sur ceux qu'il est engendré de l'Esprit Saint, lui qui fut chef de la Sainte Famille. Non seulement il l'est toujours, car Dieu ne reprend rien, Dieu ne sait que donner, mais il est désormais le Père et le protecteur de l'Église tout entière, lui qui a renoncé à l'autorité sur le peuple élu. Il est maintenant celui qui a autorité sur le nouvel Israël, sur la famille de Dieu dans son entièreté. On n'arrête jamais de travailler pour le royaume. C'est nous qui sommes fatigués parce que nous courons après nous-mêmes en essayant de satisfaire nos désirs et nos volontés propres. Frères et sœurs, en ce jour de cette magnifique fête de notre Père Saint-Joseph, demandons-lui de nous introduire dans sa justice qui l'a conduit au renoncement. Demandons-lui de nous apprendre à vouloir, comme il a voulu, ce que Dieu veut. Et comprenons que son renoncement, que sa volonté ne s'est orientée qu'au sein de ce mariage, c'est-à-dire dans une magnifique histoire d'amour. Voilà la clé de tous nos échecs. Voilà la clé du renforcement, du durcissement de chacune de nos volontés propres et de chacun de nos entêtements. Car même dans le bien, nous nous entêtons. À la place de Joseph, si tant est que nous ayons la vertu de renoncer à la Vierge Marie, nous aurions dit, eh bien voilà, c'est décidé, alors maintenant on fait comme on a dit, alors on y va, et on n'écoute plus l'ange. On est trop sûr de soi, trop sûr de faire le bien. Mais non, la volonté ne s'oriente que dans un acte d'amour. La volonté suppose qu'on aime. On ne peut pas vouloir sans aimer. Frères et sœurs, demandons à Saint Joseph cette grâce de reconnaître en lui le visage de l'Éternel qui nous montre sa justice prête à pardonner, qui nous montre sa justice qui veut le pardon pour l'homme, ce visage d'un Père qui ne sait que donner, qui ne peut qu'aimer. C'est en ayant l'audace de l'aimer que nous dépasserons nos peurs. C'est en ayant l'audace de l'aimer, lui qui nous aime le premier, que nous renoncerons à toutes les limitations de nos plus grandes générosités pour entrer dans la véritable sainteté qui est de vouloir ce que Dieu veut. Il n'y a pas d'autre volonté chez les saints que la volonté de Dieu. Frères et sœurs, demandons à Saint Joseph d'être notre Père, car c'est par son exemple qu'il nous éduque et à sa prière que nous accueillons la grâce du renoncement qui
qui plaît à Dieu. Avec l'Église tout entière rassemblée autour de la Vierge, notre Mère, nous nous levons et nous proclamons notre foi. Credo in unum Deum. Confiance en Dieu qui est Père, faisons monter vers lui nos prières.
Dieu très bon, tu as choisi Saint Joseph comme patron de la Sainte Église et gardien des mystères du salut. Qu'il continue avec sollicitude à veiller sur elle, sur tous ses pasteurs, sur notre pape François, notre archevêque Monseigneur Carré. Dieu très saint, tu as choisi Saint Joseph pour qu'il soit le père de ton Fils bien-aimé. Nous te prions pour tous les pères de famille. Comble-les de la grâce de paternité qui reposait sur lui. Aide-les dans l'éducation chrétienne de leurs enfants. Dieu de vie, par Saint Joseph, nous te supplions d'inspirer aux chrétiens d'être des témoins fidèles de l'Évangile, toujours et partout, au cœur de notre monde, si douloureusement en quête de fraternité et de paix. Nous te prions particulièrement pour tous nos frères chrétiens persécutés dans le monde. Dieu, source de tout bien, par Saint Joseph, nous te prions pour tous les membres de la famille de Saint Joseph et de la confrérie, pour tous nos amis et bienfaiteurs, tous ceux et celles qui, par le soutien de leurs prières, par leur générosité, par leur temps offert sans compter, nous aident à œuvrer pour l'édification de ton royaume. Dieu très aimant, nous te rendons grâce de nous avoir donné comme Père Saint Joseph. Béni sois-tu pour toutes les grâces reçues par lui, qu'il continue à veiller fidèlement sur nous, dans tous nos soucis de santé, de famille et de travail. Accorde-nous à l'école de la Sainte Famille de pouvoir grandir chaque jour davantage dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, parce que tu nous exauces toujours lorsque nous t'adressons nos prières par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Thank you.
Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie et écarter d'elle tout danger, tu t'es fait protecteur du Christ Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance,
daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d'épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix, et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des hommes, dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Amen. Rassemblons notre prière. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.